Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo découverte de la bêta de Star Wars Battlefront sur PS4. Donc je viens de lancer le jeu il y a même pas 2 secondes, donc je suis en train de découvrir le menu qui est en anglais apparemment, parce que je vois. Et donc du coup j'ai réglé mes contrôles. Hop, hop, bouton joystick, ouais. En fait, je comprends rien du tout. Bon, on va commencer une partie multijoueur. On a aussi une mission avec les joueurs, player, action. Ok. Donc, on est parti. Walker Assault. Ah, ouais, d'accord. On a que ces deux modes de jeu. Donc, Drop Assault et Walker Assault. Je pense que je prends plutôt celle-là. Voilà. Hop, on est parti. Donc, je découvre vraiment le jeu. Donc, si je suis une bille, voilà. Donc, parce que je vais lancer à l'instant. Empire of Betrayal. Là, la musique est pas mal, hein. Faut quand même avouer, la musique est plutôt pas mal. Alors j'espère que normalement j'ai réglé le problème avec le son, donc ça devrait mieux passer théoriquement. Et donc il y aura deux vidéos sur ce Star Wars Battlefront. Il y aura la première partie sur Walker Assault et la deuxième sur l'autre mode de jeu, que je ne sais même plus ce que c'est. Donc voilà, donc vous aurez deux parties. Ah, on peut customiser. Alors, on peut créer. Ah, d'accord, ok. En fait, on a plusieurs. Ah, ouais, d'accord. En fait, c'est des systèmes d'armes à payer avec les trucs. Ouais, okay. Ça. Putain, une espèce de Remington futuriste. Équipé. Voilà, on va équiper celui-là. Bref, parce qu'on n'est pas trop le jeu. Donc, mat starting, c'est parti. Ouh, c'est plutôt pas mal. Si ça vraiment dans la guerre, forcément, je kiffe. Hein. Start. Ouh. Alors déjà, première impression, c'est que c'est putain de beau. Ça doit être... Ok, c'est comme ça. Ah putain, une espèce de sniper. Oh putain, ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. En fait, les mecs, ils rigolent pas. Juste, j'ai changé mon arme parce que juste celui-là est complètement... Alors, à savoir que j'aime pas les snipers. C'est un truc que je déteste. Assez... hop. Attends. Je vais pas quitter. Attendez. J'ai quitté la partie. Quitter. Hop. J'ai quitté la partie. D'ailleurs, voilà, Dark Vador, ok. Bon, moi ça c'est fait. Alors, savoir que j'ai personnalisé le truc parce que je déteste les commandos de tir L2 R2. Je déteste ça, ça va faire L1 et R1. Je suis habitué. Donc du coup. Alors, est-ce que ça y est? C'est quoi mettre 30, voilà. On en est. C'est en anglais. Ça soit juste. Ok, ouais. Ok, bon, je comprends pas trop les settings parce que je suis pas vraiment un bon joueur de. Hop. C'est parti. Alors, j'ai personnalisé mon arme parce que j'aime pas du tout cette arme. Parce que, à savoir que les snipers, moi, c'est un truc que je déteste. J'ai tout le temps détesté ça parce que je suis une vraie bille. Et je déteste aussi tirer avec L2 et R2 parce que je suis plutôt habitué R1 et L1 sur Battlefield ou sur Call of. Tout le temps joue avec L1 et R1. Oui, je sais, je suis bizarre. Et alors hein. Donc, cette bêta, elle est disponible sur... Alors, je sais rien du tout sur quelle plateforme elle est disponible. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Niveau 3. Ah ouais, donc on a besoin de prendre... Attends, on peut pas... Attends, est-ce qu'on peut customiser notre arme? Ah ouais, d'accord, en fait ça c'est débloquable au parti de level 1, donc on suit level 1 évidemment. Bon, on va essayer de faire des kills. Hop. Ok, donc on est parti. Alors déjà, on les en a là. Ça, putain, je suis désolé.
Le jeu est vachement joli. C'est trop bien. Déjà c'est vraiment le bordel hein. C'est style Battlefield mais à fond. Hop, je crois que j'ai eu. Par contre, le cadence dans le sein. Oh putain. C'est un mec comme ça. Horizon Strike, Awakening. Ok, ça, ça va tirer. C'est une espèce de robot de. Hop. What the fuck? What the fuck? What? Il y a des joueurs en robot. What the fuck? Ok. Ok, ça rigole pas en fait. Oh putain, je suis juste devant. Terre. Oh, et ça rigole pas, c'est vraiment le bordel en fait. Hein. Du coup. Hop, je vais sur place. C'est pas mal ici. Ah oui, c'est des bases de lancement. Attends, est-ce qu'on va prendre des vaisseaux sinon, putain. Non, on va prendre des vaisseaux. Mais normalement, ce qu'on peut. Alors, franchement, déjà, le jeu est putain de beau. C'est abusé. Je m'attendais pas à. Oh mais genre, ah par contre on meurt putain de vite. Par contre ça je vous dis, on meurt vachement vite. Un deux coups c'est fini. Surtout que moi c'est une vraie bille avec le sniper, donc c'est. Ouais, c'est moi ce bonnet. Qu'est-ce que je suis là? Putain, c'est la guerre. Déjà un petit peu le gameplay fait largement un petit peu repenser à un petit peu Battlefield. Hein. Ça c'est vachement Battlefield ce que. Ah, c'est pas. What? Attends, c'était un joueur ou c'était. What? Ok. Ah, putain. Ok, il faut défendre les bases en fait. C'est un défendre de base. Et en fait, c'est un capture. Ça se voit pas. Avec le sable, avec le. Il va y être sorti. What? Ah, les mecs ils ont des espèces de mitraillettes, moi c'est un sniper. Oh, ça, c'est vraiment désavantageux. Attends. Je suis chargé d'armes. Non. Ah. Je suis chargé. On va une vue comme ça. Ok. Oh putain. Ouais, il y a des joueurs là-bas. Mais c'est ça le mec qui a le. Strike. Ah what. Putain, c'est le bordel. C'est le bordel les gars, c'est la guerre. La guerre. Hop. C'est fait. On s'est un peu tué. Non, j'ai toujours fait un kill. T'as su pourri s'amuser. Tu peux pas craquer. Putain, c'est quoi cette zone? C'est invincible ce coup. Il y a la valomode là. Mais quoi, c'est pas. Eh, vous avez vu toutes les balles que je lui ai mis? Voilà! Je prends du coup, moi, ça va pas. Du tout pas. What? On dirait les porte-avions de. What? Hein? On dirait les porte-avions qu'il y a dans Doctor Who ou dans Saints Row. Tu sais, les trucs volants là, les espèces de. Je sais pas trop comment on appelle ça. Ah, attends, c'est un véhicule quoi. Va le prendre ça! Sérieux? J'ai trop vite de conduire un véhicule moi. Ouais, par contre, la Play 4 a commencé à souffler là-bas. Oh putain, le robot qui est juste devant. Wow. Ouais, y'a Dark Vador! Ouais, y'a Dark Vador! Putain! Ouais, y'avait Dark Vador! Hold that uplink station. The Y-Wings needed to zero in on your location. Ah, du coup, ouais, c'est. Oh, putain. C'est vraiment la guerre. Hein. Oh, attendez, parce que j'ai vu Dark Vador en haut, on va peut-être pas l'affronter. J'espère que vous aimerez cette partie de gameplay. J'espère combien de minutes il me reste d'enregistrement. Ouais, il en reste. En tout cas, de toute façon, c'est pas grave. Hein. La partie, je sais pas combien de temps va durer. Oh oh. Voilà. Oh oh. Oh putain, elle a sensu. Settings, controls. Sensibilité, on va la baisser un petit peu. Voilà, hop, c'est comme ça. Putain.
la petite musique de Star Wars. Ah oui. Oh, en fait non, c'est pas mieux, c'est encore pire. contrôle, vite, vite. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop, voilà, défaut, on va laisser par défaut. Hop, merci. Voilà, j'ai un petit peu de mal à m'y faire quand même. Putain, ils sont tous là-haut. What? Oh, c'est le robot qui m'explose. Oh, le robot est en train de se faire défoncer. Partner Star. Ok, il y a une scène d'équipe qu'on a dans Battlefield. Juven Smith. Pour gagner des points. Voilà. C'est pas à quoi ça a servi, mais ça a servi, apparemment. Alors, il y a des semaines où c'est même pas du tout où ça va. Mais déjà, la map, c'est vachement stylé. Ah, oui, d'accord, c'est un mal. La map est vachement stylée. Attends, parce que là, la dernière fois, j'ai vu Dark Vador arriver, donc. Pire. Oh putain, putain, putain. Ah ouais, d'accord, il y a la vie juste à côté de 74% de vie. Ah ouais, ok, d'accord. Et activer de boost une pilote. Go. What? C'est quoi qui nous a explosé? Hey, Rossé nous a tué. What? C'est la... What? Oh, j'adore la baroque. On a changé de map. Ah, ok, on s'éloigne de petit à petit en fait de la map. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien pensé ça. En fait, on est jamais dans la même map. On est jamais dans la même map en fait. Ah ouais, ah, c'est plutôt pas mal ça. En fait, on progresse en fait, je veux dire, il y a une espèce de transit en aise. Wow. Alors, ah, c'est la guerre. Moi, je vous dis, Battlefront, c'est le gros bordel. C'est abusé. Casse-toi, putain. Wouh, 3-6. J'aime pas les snipers. Ah, c'est vraiment le bordel, en fait. Wow. Les gars, on va faire comme dans la deuxième guerre mondiale. Go, my fucker, go. On sort. Oh, Davada, le retour, il y a le retour. Ah, ah, Sam là. Ah, putain. Eh, hey, mais il prend pas ses balles, Davada, par contre. On a combien de vidéos, combien de minutes. Ah, il nous reste une minute de vidéo. Ah ouais. Ok, ça va être tendu. Non, en fait, c'était pas mal. J'espère que vous... What? T'es là. Oh, s'il te plaît. Oh oui, je l'ai eu. Oh oui, j'ai eu Dark Vador. Oh, putain, là, je commence à faire un bon rang 2 en plus. Je commence à faire un bon cul. Putain, j'ai eu Dark Vador. Allez, les gars, on y va là. Il nous reste une minute de vidéo. On fonce. Ah! Ah ouais. Eh non mais ah non mais c'est pas mal quand même. Eh, moi je m'éclate tout à l'heure. Cette map ouais, t'as pu c'est. Bon, c'est vrai qu'ils mettent vachement de temps pour frapper. What? Oh là, ok, le bug. Ok, la bêta sert aussi à trouver des bugs. Bah, je viens de vous en trouver un, le bug de la carte. Ah putain, c'est... Ah ouais. What? Ah ouais, c'est le robot qui m'a explosé. Okay. Eh, mais ça c'est plutôt bien foutu. Bon, mais moi je vais vous dire, à tout à l'heure pour la deuxième partie de la vidéo sur l'autre mode de jeu. Et donc je vous dis, ciao. Et il y a le bonus de vie juste en haut. Ah ouais, d'accord. Putain, mais faut faire. Le truc de vie juste en haut. Pour moi. Grenade. Ok, on a terminé. Voilà, moi je vous dis à plus et ciao.